t'es trop capricieux, t'as piché. J'ai que t'as capté, j'suis en paix, pas armé. Sais que ce monde est en réflexion, force d'inertie et pouvoir est mon. J'les embrasse, y'a que mon ego qui veut combattre. Salut Rox, comment vas-tu? Salut Malou, ça va bien et toi? Bah carrément bien. Bienvenue à la coloca, là on est dans le Carnotzet. Le Carnotzet. À côté de la cave, il y a certains morceaux de l'album Visite Rimée Partie qui ont été enregistrés dans cette pièce. Ok. Donc voilà. Merci beaucoup en tout cas pour l'accueil. Merci. On a toujours Raph qui est derrière nous, derrière la caméra. Et bien voilà, donc je ne le présente même plus. Hein. Alors si je te présente quand même, d'accord. Bon, d'accord, ok. Alors, Roxy Rox, Anoir, Rox, je ne sais comment t'appeler finalement. Hein. À chaque fois, tu renais avec de nouveaux noms, avec de nouveaux projets. Tu as commencé avec le duo en 92, donc avec son fameux acolyte Jonas que nous connaissons Shout tous. Shout out Jonas. Salut Jojo. Et... en 94, vous avez sorti votre 4 titres, rien n'est dû au hasard. 99. Ah, c'était en 99, ouais. Mais en 99, c'était pas le... comment ça s'appelle? Goupil ou Face aussi. Ah oui, c'est ça, il y avait la mixtape Goupil ou Face avec Duba Vibration. Exact. Et puis, c'est quand du coup que vous sortez Hasard 2? Ça, c'est en 2001. 2001, deux ans après, jour pour jour. Voilà. On a repris les quatre morceaux du maxi Rien n'est dû au hasard qui sortait en 99 et on n'a fait pas des remixes, mais ce qu'on appelle des suites. Exact. On reprend le même thème avec un peu deux ans de recul dessus. Qu'est-ce qu'on a encore à dire sur ces différents sujets, sur la tempête qui a donné la houle, le parcours du frelon qui a donné le retour du. C'est un prolongement, une continuité de ces quatre morceaux dans ce EP qui est sorti en 2001. Et on était tous ravis que vous ayez fait ces prolongations, car franchement, moi, c'est un des albums que j'ai écouté en boucle pendant très longtemps. Merci. Vraiment. En 2002, vous venez avec Kalvingrad, la mixtape pour moi par excellence, la mixtape genevoise. Entre-temps, vous avez fait des super collabs avec l'Ironie du Son, notamment sur un super album dont j'avoue, j'ai plus du tout le titre en tête. Nuage fou. Exactement, Nuage fou, où il y a des sons incroyables, ça va des sons très très jazzy à des sons ultra planants, où on parle du vol, du vautour. Enfin voilà, vraiment un album incroyable. C'était les premières expériences aussi du groupe que j'avais avec Jonas, ça s'appelle le duo, de bosser avec des musiciens live. Pas oui, juste sur une bande son en fait sur un PC ou programme ordi, où là il y a vraiment de l'acoustique. On avait créé cet album en une sorte de résidence dans une maison à la montagne. Okay. Et ces morceaux sont sortis d'un week-end passé entre potes musiciens. Et ce qui est beau, c'est que même en termes de rythmique, cet album, il y a des rythmiques extrêmement carrées, on va dire, mais il y a aussi des rythmiques qui tout d'un coup changent énormément par rapport à ce qu'on entendait à l'époque dans le hip-hop et qui était assez... jazzy un peu. Ouais, exactement, mais qui était, je dirais, assez commune en fait. Et là, tout d'un coup, sur cet album, vous arrivez avec des choses assez décalées, même déconstruite par moments, et moi je trouve que c'est un album magnifique. Je sais pas si on peut toujours le trouver et où et comment, mais en tout cas il est... L'ironie du son, Nuage fou, à mon avis ça se trouve encore. Probablement C'est drôle que t'en parles parce que c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a énormément mis en avant, mais on a eu beaucoup de plaisir à le faire, et comme je te teste aussi les premières expériences avec des musiciens. En 2004, toi, tu sors ton premier album solo, Rêve de paix, en collab avec Zrink, le Sao Chimiste. Qui a assuré toutes les prods, Big Up à lui aussi, et justement sous le nom de Anoir. Oui, exactement. Voilà. Là, on connaît un nouveau toi qui vient. Pourquoi ce changement de nom? Pour des raisons spirituelles, où c'était important pour moi de mettre ce nom en avant à cette période-là. Ouais. Moi, j'ai commencé sous le nom Rox. Après cet album Rêve de paix, on va y venir, mais je reprends Rox que je combine avec la noix. Mais même au début, c'était Roxy Rox, non? C'était Rox. Roxy Rox, c'était un peu un surnom. Ouais, d'accord. Le nom d'MC du début des années 90, c'était vraiment Rox. Ok. Voilà. Et puis, en 2010, tu taffes avec Wika cette fois. Oui, qui avait déjà produit le premier maxi du duo. C'est juste. En 99, et là, qui a fait l'entièreté de l'album, comme Zrink l'a fait pour Rêve de paix. Et là, c'est Danse du silence. Là, c'est Danse du silence, ouais. Où il y a eu d'ailleurs, tu as sorti plein de trucs, parce qu'à chaque fois, tu sors des t-shirts.
d'ailleurs pour les nouveaux projets, hein, je veux dire, voilà. et vraiment, là, pareil, c'était un projet qui était magnifique dans du silence, avec notamment même la couverture de l'album qui était très particulière, dans ses tons rouges. Une peinture. Oui, exactement. Moi, c'est aussi un album que j'ai énormément aimé. Je sais pas dans quel ordre je les classerais si je devais les classer. Mm-hmm. T'as créé après une autre collaboration qui était Les Lames du Vent. Ouais. Et t'enchaînes encore avec La Route du Soir en deux épisodes. Oui. Voilà. Et la fameuse année 2017 quand même où tu participe au End of the Week et où tu es champion suisse du coup de End of the Week, n'est-ce pas? Et puis aussi des clips super que tu nous as fait, je dirais, entre 2014-2016. Tu en as fait deux, Les Portes de la Liberté et Renard de Gouttière. Tout à fait, ouais. Avec des beatmakers différents de ceux que j'avais sur les albums. Qui sont qui d'ailleurs? J'ai même pas noté. Alors, Portes de la Liberté, c'est Red Bull. Ok. Shout-out à lui. Et Renard de Gouttière, c'est deux beatmakers qui avaient le collectif Sparring Partner. Okay. Donc c'est F, qui s'appelle Santo maintenant, et GR. Que je ne connais pas du tout. Et ben, merci à eux. Des gars de Lausanne. Et là, ce qui est chouette, c'est vraiment ces deux. C'est intéressant parce que Renard de Gouttière, bah, c'est quoi, 2016? Et tu reviens du coup à l'identité Rox en fait. Mm-hmm. Avec un clip en plus en noir-blanc, oui, qui est très poétique pour le coup. Moi, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu... Tout ce parcours-là, dis donc, c'est dingue. Là, tu continues avec la coloca, en plus. C'est-à-dire que la coloca, c'est plein de petits clips, c'est plein de featuring, c'est plein de projets individuels, mais entrecroisés. Coloca, on est 6 MC. Oui. Il y a les deux de Afro West Siders, qui sont Benny Bastos et Fuego Flex. Il y a Fluid, il y a Rufflar et il y a Fennec. Donc, tous ces gens, on vit ensemble dans cette maison-là. On a chacun nos projets communs respectifs. On a des projets communs et en plus, chacun intervient sur les projets des autres, que ce soit par la prod, que ce soit par des feats. Ouais. On travaille vraiment en famille comme ça et on se donne de la force parmi quand chacun sort ses projets respectifs. Oui, c'est vrai. Donc, qu'à chaque fois, vous balancez toujours les projets des uns des autres. Enfin, vous êtes très soutenant. Il y a eu, en 2020, pendant la période du premier confinement, cette série de freestyle qui s'appelait les Coloca Freestyle, où là on essayait, et on a réussi d'ailleurs, à en sortir à peu près tous les trois jours un clip d'un artiste de la Coloca solo, de feat, des combinaisons à deux. Et là vous êtes bien marié sur les clips quand même. Ouais. Vous avez fait des clips qui étaient vachement bien. On a travaillé avec celui qui a réalisé mon dernier clip, Osios Brr. Il a plein de noms aussi, je lui passe un grand bonjour et merci. Qui est quelqu'un de super créatif, qui est à la fois ingé, MC, qui s'essaye à la vidéo et qui le fait très bien. Du coup, c'est quelqu'un aussi qui a amené vraiment une énorme créativité, en plus de celle qu'il y avait déjà dans les murs. Donc on sait tout. Je dis dans un texte, on s'entremotive comme leitmotiv. Donc c'est vraiment ça de voir. T'es à ton café, tu prends le petit déj, il y en a un qui écoute une prod, l'autre qui la compose, quelqu'un qui écrit. Après, ça part en studio, on n'enregistre pas forcément ici même à la coloca, on l'a eu fait. Et chacun après a ses lieux respectifs de travail, de création. Mais c'est génial aussi, disons que c'est aussi en fait, vous baignez dans votre culture constamment, dans votre culture hip-hop, dans vos différences à vous. Et du coup, c'est clair que vous devez vous nourrir les uns les autres constamment. Complètement, c'est ça. D'ailleurs, sur le dernier album, on en parlera peut-être plus tard, Visiterai mes parties 1, la plupart des feats, hormis Jonas, c'est des gens qui habitent à la coloca ou qui y ont habité, comme SMK, comme Dai, Shalop, voilà. Exact, une grande famille. Tout à fait. La famille genevoise. Dernièrement, on a encore pu te voir, bon, notamment avec les clips, évidemment, que tu nous régales là, pour ton projet, pour ce nouveau projet Visite Rimée. Mais on t'a vu aussi pour les Night Sessions du Chat Noir, avec le Tous Recoupe. Mm-hmm. Quelques mots sur ce projet? C'est un projet qui est né du label indépendant Zizlo Music. Oui. Grand big up à eux et du Chat Noir qui en fait ont utilisé l'espace du Chat Noir pendant la période où les restaurants, les bars et restaurants et les salles de concert étaient fermés. Mm-hmm. Ça se rouvre gentiment. Ils ont fait une sorte de résidence artistique où ce label Zizlo Music a invité plein d'artistes sur demande du Chat Noir qui avaient déjà joué au Chat Noir.
ce qui était aussi mon cas, ou au festival Voix de Fête, okay, qui a eu lieu cette année que en ligne via différentes prestations offertes par les artistes pour le public. Donc, ils m'ont contacté pour ce morceau, tout se recoupe. Moi, j'ai rebossé avec quelqu'un de Zizlo Music qui est DJ Dan, qui est mon frère de cœur aussi, avec qui on a fait les deux projets, La Route du Soir et La Route du Soir 2 Correspondance. Yes. Donc, voilà, c'était une connexion qui était évidente. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce projet. Il y a un micro-clip qui a été tourné au Selfie Hotel à Lausanne, et c'est disponible sur YouTube, la compile Night Session Urban Confined, produit par Zizlo Music et Le Chat. Il y a plein de groupes super chouettes dessus. Mm-hmm. Voilà, allez l'écouter, elle est vraiment au top, quoi. Donc en fait, j'ai envie de dire, ça fait quoi, 29 ans que tu nous régales? Ça fait 29 ans que Rox est dans la place. On a commencé à peu près, ouais, il y a une trentaine d'années, comme ça, ouais. Exact, ouais. Alors depuis le 21 juin passé, ça y est, il y a toutes tes dernières créations qui sont disponibles sur Bandcamp notamment. Mm-hmm. T'as aussi plusieurs clips qui sont sortis. Mm. Donc du coup, on va aller directement sur l'objet en question d'aujourd'hui, Visite Rimée, n'est-ce pas ? Partie 1, car il y aura la suite, on ne sait pas encore quand, mais il y aura la suite. Ni comment. Est-ce que j'ai oublié ou déformé quelque chose pour te présenter ? J'ai sorti aussi en 2008 une autre mixtape complètement produite par DJ Twister de Afro West Side, big up à lui, avec pas mal de feats jeunes voix de différents MC de cette époque. Parce ouais, que c'est ça, tu disais, ça fait 29 ans, donc il y a eu presque plusieurs générations de MC. Carrément. Le duo considéré comme des anciens mamans, on est de loin pas les, il y en avait d'autres avant. Il y en avait d'autres avant, c'est vrai. Je pense à Beautifully et encore plein d'autres de notre même génération. Donc voilà, en 2008, il y a cette mixtape avec beaucoup de MC. Le titre de la mixtape ? Retour vers le présent. Retour vers le présent. Je l'avais complètement oublié, même cette mixtape. Retour vers le présent. Sur le net. Oui, et je pense qu'on peut la trouver, on peut probablement, quoique, on peut peut-être la trouver chez JD encore, mais je sais même pas. Non, les physiques, ils ont été tous écoulés, on avait fait une quantité assez limitée de CD. Il n'en a pas gardé 3 ou 4 ans. Pas à ma connaissance, même moi j'en ai une qui est mon exemplaire, mais je ne crois plus qu'on le trouve en physique. Okay. Mais il est sur le net, Retour vers le présent, Rock, à noir, DJ Twista. Exact. Voilà. Eh ben, allons l'écouter, hein, dès qu'on peut. Et je te propose qu'on passe au vrai entretien, n'est-ce pas ? Donc, déjà, j'ai envie de te demander la question un peu basique, mais parce que ça fait 29 ans que t'es là, est-ce que tu te souviens du premier rap que t'as appris par cœur, genre dans ta piole ? Ouais, je me souviens, et d'ailleurs, c'était pas un rap. C'était une sorte d'hybride ragamuffin. Ouais. Parce qu'avec Jonas, en fait, ceux qui nous ont mis le pied à l'étrier, donné la première possibilité, moi j'avais 13 ans, lui 12, c'est le groupe de reggae dub Restless Machettes, okay, qui faisait plutôt du ragamuffin. Et en fait, c'était des gens qui habitaient et fréquentaient le Goulet à Chengdu. Exact. Ces gens-là nous ont dit, bah voilà, telle soirée, vous aurez un espace de parole. Donc le premier texte était public. Et que j'ai appris par cœur pour le retranscrire devant du monde, c'était un ragamuffin. Et tu t'en souviens ou pas, comme ça, par hasard ? Est-ce que la mémoire... Le début, ça faisait... Il y en a qui se shoot à la cocaïne, moi je préfère me calmer au ragamuffin. Yeah. Quelque chose comme ça. Extraordinaire, c'est génial, merci. Et d'ailleurs, alors, en fait, comment tu fais, genre, ta technique à toi d'écriture ? C'est plutôt, tu te mets des contraintes, tu te mets des consignes, en fait, genre un thème, des mots, etc. Ou finalement, tu te laisses aller et puis tu laisses libre cours total à ta pensée. Alors, j'ai un peu ces différentes manières d'aborder l'écriture. Je suis beaucoup, ces derniers temps, parti à l'aveuglette. Okay. Dans le thème, c'est plutôt la prod qui va donner une ambiance. Et je pars sur des phrases sans avoir une thématique précise. Après, elle se construit, okay, plus ou moins naturellement au fil de l'écriture. Là, je me dis, ah voilà, ben, tel morceau, je vais l'appeler comme ça. Il a tel champ lexical, telle couleur. Donc, tu écris plutôt finalement le morceau avant même de le titrer, en fait. Ouais. Ouais, ok. Sauf quand j'ai une thématique où là, par contre, eh ben, je sais déjà un peu comment je veux aborder le sujet. Et je découpe selon l'ambiance de la prod, si ça va se faire en un long couplet,
deux couplets ou trois refrains. Quand c'est des featuring, ça part vraiment souvent d'une thématique. On peut prendre pas mal de temps à choisir l'instru d'abord et encore pas mal de temps à choisir la thématique jusqu'à ce que là, c'est le top départ, on se lance et on écrit. Ok. Et du coup, pour apprendre tes textes, que pareil, il y a des gens, ils savent, tu sais, ils apprennent même pas leurs textes par cœur. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils les ont écrits et puis c'est bon, c'est déjà enregistré, ils ont pas besoin de faire cet effort. Mm-hmm. Il y en a qui n'apprennent absolument jamais leurs textes, mm-hmm. pas en rap, mais plutôt en slam, hein, ça par exemple. Toi, tu fais comment? T'as une technique pour apprendre tes textes? À force de passer un certain temps dessus, à réécrire, à faire des petites modifs, à peaufiner, souvent je l'apprends comme ça. Ouais, pendant que je suis en train de l'écrire, ça m'est arrivé en tout cas de finir le couplet et de déjà le savoir par cœur. Ouais. Là, ça fait longtemps que ça ne m'a pas arrivé, peut-être parce que j'ai plus écrit pendant cette période. Donc j'allais en cabine, non pas avec mon téléphone, mais avec mon cahier, vraiment à l'ancienne, mon cahier de texte avec ses ratures et voilà. Donc tu es quand même à l'ancienne, c'est-à-dire stylo-papier. Stylo-papier. Sur le portable ou l'ordi, je le refais après pour l'envoyer à d'autres. Okay. Ou si par exemple, on sort un projet qui a un livret pour que les gens aient accès au texte. Pour apprendre par cœur, c'était ta question initiale, je le réécris. Ouais, ok. Je le réécris plusieurs fois en écoutant l'instru. Ça fait comme une sorte de micro-répète. Et c'est comme ça que j'apprends un texte. Ces temps-ci, j'étais amené à faire ça pour des projets vidéo où il fallait que je l'apprenne par cœur parce que Visit Stream est partie une, c'est des morceaux qui ont entre 1 et 2 ans. Ouais. Donc il y en a plein que je n'avais jamais appris par cœur avant de rentrer en studio. Ok, ouais, donc c'est quand même. C'est vraiment, en fait, le rap, c'est un triple travail. C'est-à-dire que tu as le moment d'écriture, tu as ton moment d'apprentissage de, vraiment du texte, du flow, etc. Mmh. Et après, tu as ton moment où tu vas le poser. Voilà, que ce soit en studio, que ce soit sur scène. Ouais. Voilà, il y a un peu ces trois phases que tu as bien décrites. Ok. Sur le morceau Visite Rimée, qui est titré donc comme le projet de l'album, mm-hmm. Qui est produit par DJ Twista, celui-là. DJ Twista, ouais. Alors l'instru, elle est carrément plus lourde. Là, on est plus dans du jazzy, on est vraiment dans un truc avec des grosses basses qui vibrent et tout. Dans ce morceau, tu parles d'une manière de communiquer un peu plus poétique. Mm-hmm. Tu dis. Je viens de voir musicalement parce que physiquement, des fois, c'est mort. Appuie sur, je sais plus ce que tu play, voilà, un autre MC dans le décor. Mm-hmm. Tu dis ça à tes potes, vraiment, des fois? En fait, en l'écrivant, c'est comme ça que je leur dis. Quand je parle de manière communiquer plus poétique, c'est en lien avec Visite Rimée, en fait. Visite Rimée qui est rien d'autre que le rap, en fait. Oui, c'est un album qui aurait pu s'appeler rap. Oui. J'ai voulu lui donner ce titre de Visite Rimée où, après les routes du soir, où il y a une grande période d'introspection et de cheminement seul, là, on profite de continuer cette route, mais d'aller visiter des gens. Ouais, ok. Pas forcément physiquement, parce que des fois, c'est mort. Il y a des crises contextuelles qui font qu'on est moins amené à se voir en vrai. Exact. Donc, la rencontre à l'autre, elle se fait par les rimes. Ouais, ok. Par la poésie. Et pour toi, c'est quoi du coup la poésie? Tu sais, c'est comme quand on parle de l'art, ouais, on est artiste et tout. Qu'est-ce que c'est en fait là? Et pour toi, c'est quoi la poésie? C'est une photographie écrite. Ok, ouais, la poésie, d'accord. C'est des points de vue, c'est des regards, c'est des cadrages, des façons de voir d'une personne qui met des mots dessus, en rime ou pas en rime. Poésie, ouais. Ça va plus loin que la rime. Il y a différentes techniques. Malou est une grande spécialiste des ateliers d'écriture et des différents champs lexicaux. Merci. Et exercices d'écriture. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais ouais, la poésie, je vois ça vraiment comme une vision de la vie retranscrite. Ouais, ok. Donc du coup, effectivement, j'insiste avec toi du coup sur le fait que la poésie, c'est pas que littéraire et littéral. Non. Du coup, ça va bien au-delà de ça. Ça va sur plusieurs sphères. Mm-hmm. Ouais, ok. Chacun se l'approprie. Il n'y a pas une poésie figée qui a ses règles, comme on nous apprend à l'école. C'est A A B B. Le rap, il s'est affranchi de ça depuis longtemps, en fait. Il y a du rap sans rime. Il y a du rap A B A B. Il y a du rap sur plein de rythmiques différentes que les quatre temps initiaux, oui, aujourd'hui appelés boom bap. C'est la liberté, c'est ça qui est magique dans ce rap que moi je vois comme une visite.
c'est bah, tu vas te présenter de la manière que tu as choisi. Tu viens habillé très très chic, très sobre, très décontracté, ça va dépendre de ton état d'esprit, de tes humeurs et c'est comme ça que tu te présentes à l'autre par tes écrits. Et puis visite, ça a un côté de temporellement, c'est pas figé. C'est-à-dire que la visite, elle peut être en tout temps, mm-hmm. en tout espace, mm-hmm. avec toute personne. Et puis, voilà. C'est pas quelque chose de figé, d'agendé, de grippé. Voilà, de... On peut passer à l'improviste. J'ai vu de la lumière, je viens juste dire bonjour. Il y a aussi ce côté actuel où il y a une manière de consommer la musique qui est très rapide. Donc, on va pas forcément se pencher sur tout un album. Mais voilà, par une vidéo, ben, ça va faire une entrée en matière sur le, ouais. sur le contenu, sur l'univers de la personne qui rappe. Et j'ai aussi choisi ce titre Visite Rimée parce qu'il y a pas mal, par rapport à mes autres albums où il y avait un beatmaker unique, on en a parlé avant, là il y a vraiment des producteurs de différents horizons, des gens de la Coloca, Fuego Flex, DJ Twista, des gens de Lausanne aussi. Même si c'est très Coloca, comme je l'ai dit avant dans les feats, c'est aussi un de mes projets qui n'est pas une mixtape mais qui est un album avec plusieurs feats. Okay. C'est vrai que souvent j'en avais un, deux sur des mini-albums là, il y a 13 titres et à peu près la moitié de feats. Ouais. Des feats en voix, des feats en prod, des feats en scratch. Exact. Et alors, si on passe aussi à la chanson Pas Tout Seul, oui. Par Overground Prod. Overground Prod, oui. Tu dis dedans, non, t'es pas tout seul, vas-y, chiale, un homme, ça pleure pas. Mmh. Ah bon, vas-y, gueule, hurle de tout ton saoul, crache ton malaise, tu l'as pas encore rencontré, la partie de toi la plus balèze. Waouh. Mmh. Wow. Un texte un peu d'auto-analyse masculine adolescente, j'ai trouvé, mais hyper touchant, mmh. qui assume un peu toutes les contradictions passées, quoi, dans la vie d'une évolution d'un garçon, un jeune homme, mec, quoi. Mm-hmm. Est-ce que c'est un exode vers ton ressenti d'adolescent? Plus je l'écoute, plus je me dis on ça. On dit une exode ou un exode? C'est une bonne question. L'exode non, avec un L apostrophe, je sais pas si c'est... Je pense à un mot féminin. Une exode. Une exode? J'ai un doute. Bon, désolé, on regardera. Donc, ouais, dans ce morceau, je parle en tu, mais justement, ce tu, ça peut être différentes personnes que j'ai pu côtoyer, avec qui il y a eu ces échanges à la fois proches et conflictuels, mmh. et ça peut aussi complètement être mon ado intérieur, avec qui aussi j'ai eu cette bagarre, alternance exactement de proximité et de conflit fort. Mais en tout cas, plus je l'écoute, plus je me dis que je parle à l'ado en moi. Mais après, je l'ai aussi écrit en suite à des échanges avec des personnes où j'avais besoin de leur partager ce ressenti, ouais. de dire voilà, on ne s'entend pas pour une période, on se braille dessus, mais je suis là, compte sur moi, tu n'es pas tout seul. Il y a quelqu'un, il y a un adulte, il y a un adolescent qui a grandi maintenant, qui peut être une personne oui. qui est de confiance, qui est là pour toi à ce moment-là. Et c'est marrant, là je fais un peu un rebondissement, comme on dit. En fait, à l'heure actuelle, on parle énormément de la masculinité toxique, des hommes blancs, cisgenres, voilà. Et c'est, on parle évidemment de différents féminismes. C'est intéressant ce que tu dis, moi, je trouve, dans ce texte, simplement ce truc de, effectivement, un homme, ça pleure pas. C'est encore quelque chose que les jeunes hommes vivent encore maintenant. C'est-à-dire que même si on parle de patriarcat à tout va, est-ce que finalement les hommes ne subissent pas aussi une forme de patriarcat ou en tout cas une forme de violence masculine aussi dans leur éducation puisque justement ils sont interdits de pleurer ou d'avoir des bons sentiments quoi. Moi je pense que tout dépend de l'éducation et de l'environnement. Il y a la cellule familiale qui donne des bases, qu'on confirme ou qu'on débasse, qu'on remet complètement en question. Ouais. Mais je pense qu'il y a souvent voilà, ce rôle de dureté, de solidité qu'on peut complètement apprendre, s'approprier et aménager à sa sauce en devenant adulte. Ouais. Mais à l'adolescence, justement, on se pose des questions sur son identité profonde. Est-ce que je dois garder ce masque du paraître pour être, entre guillemets, inatteignable, fort, solide, ou bien je peux me permettre d'accepter une forme de vulnérabilité aussi? C'est ça, après, la vulnérabilité, exact. T'acceptes ta part de vulnérabilité ou tes parts de vulnérabilité, du coup? Je pense de plus en plus. Ouais. L'écriture, elle y est beaucoup. Parce que comme je suis quelqu'un qui me confie assez,
mes textes, c'est beaucoup mes remises en question intérieures, quoi. À voix basse qui deviennent à voix haute et, ouais. Voilà, sur une musique en rime. Merci. Du coup, merci d'être. Clairement, le public appréciera parce que c'est vraiment, je pourrais dire comment, c'est ouais, l'intermède de remerciement au public, entre autres, aux gens qui t'ont soutenu, qui t'ont suivi, à des parts de toi aussi. Merci de nous écrire, merci. C'est agréable. Merci à toi, je t'en prie. Et puis, ah oui, je vais quand même vous laisser des titres. Hein. On ne va pas parler de tous les titres. Comme ça, il y aura quand même quelques petites surprises, d'accord, hein. Mais quand même, je voulais aborder Fraîcheur. Parce que le clip, il est sorti en avril déjà sur YouTube. Parce que cette fois, c'est un feat vocal avec Fuego Flex et Fluide, qui sont de la Coloca. Et puis, je voulais te demander, en fait, comment il est venu, ce morceau ? Est-ce que c'est une impro en vrai qui est née genre lors d'un barbecue, puis que vous vous êtes dit « Ah ouais, non, mais en fait, c'est trop bien, il faut vraiment qu'on concrétise. » Comment il est né, ce morceau ? Il est né pendant un week-end où on avait voyagé les trois, en fait, à la montagne. D'où le clip Dans une autre montagne de où on a tourné le clip. Voilà, ok. Le clip a été tourné dans le Val d'Airain. Un grand big up à tous ceux qui nous écoutent qui viennent du Valais. Raph le premier, mais les autres aussi. Une région que j'affectionne beaucoup, parce que j'y allais beaucoup étant enfant. Mais là, on était dans un autre coin en France. On s'est retrouvés avec Fuego Flex et Fluide. Et on a eu ce thème qui est venu très spontanément, Fraîcheur. Qu'est-ce que ça nous évoque chacun ? Et peut-être le fait de l'avoir écrit dans la nature, à la montagne, on a eu envie de le clipper dans un environnement similaire, dans une autre région. En tout cas, c'est un morceau qui il touche le titre, ça fait du bien. Effectivement, c'est un morceau frais qui fait du bien, qui remplit le cœur. Morceau simple et efficace, on va dire clairement. Voilà, mais ça fait vraiment très morceau de pote, quoi. Moi, ça fait vraiment morceau de pote qui a dû naître à un moment donné dans un délire et puis qui a été concrétisé. C'est complètement donc, ça. Tu nous réserves aussi un titre avec Benny Bastos et Fuego aussi, nommé J'rode, Rap et Rayon. J'rode, Rap et Rayon. Yes. En fait, c'est ce qu'on partage en commun depuis tellement d'années. J'ai rencontré Fuego Flex un petit peu après Benzo. Benny Bastos, je le connais depuis plus de 20 ans. Et on a toujours cet amour, ce partage du rap qui nous unit. Donc en fait, c'est ce qu'on a le plus... Ce qu'on a fait le plus longtemps ensemble, c'est rôder, rapper et rayonner du mieux qu'on pouvait en s'éclatant dans cette discipline du rap. Moi, j'adore ce morceau. Pour moi, c'est un des meilleurs, c'est mon avis personnel, hein, évidemment. C'est un des meilleurs aussi. Vraiment, j'adore ce morceau. Vous dites ça, tu dis ça, à un moment donné. Entre frères, en phase, on se soutient quand l'atmosphère est bancale et quand ça va mieux aussi. Dieu merci, la musique nous permet de vivre comme en autarcie. Et votre rap rayonne, dégomme cette négativité qui fait que je déconne face aux épreuves devenues des hommes avec nos forces, nos faiblesses qui nous questionnent. Qu'est-ce qui te questionne, par exemple ? Et toi qui es un frère dans la vie, comment tu vis ton amitié, finalement, avec ces espèces de colloques frérots collègues artistiques, voilà. Bah, je pense qu'on s'enrichit tellement les uns des autres. Déjà, à la base, en partageant le rap depuis quasiment l'adolescence, et encore plus en grandissant, en devenant homme avec d'autres responsabilités, ouais. D'autres vies propres à chacun, et avec ce rap en fil conducteur qui vient tout le temps, le projet qui est le fruit de la relation, en fait. Ok. On est amis, on est frères dans la vie. Et là, en fait, on joint des parties de nous pour s'exprimer sur différents sujets. Ouais, il y en a, ça va être les repas de famille. Enfin, tu vois, tous les dimanches, ils se voient pour un repas de famille. Il y en a, ça va être, je sais pas, moi, la cabane au bord de la mer à je sais pas où, et ils se rejoignent. Voilà, bon, bah, vous, en fait, votre truc, c'est le rap. C'est, complètement. Là, on fait un rap, les gars. Okay. C'est ça. Ouais. Et c'est quoi qui te questionne alors à l'heure actuelle ? C'est plus sur les schémas qui se répètent, ceux qu'on peut dépasser, comment on grandit. Les schémas individuels, collectifs ? Les deux, là ouais. Je pense que c'est plus un individuel. Comment on se positionne face aux choses ? Pourquoi dans telle situation j'ai agi de telle manière et pas d'une autre ? Ouais. Sans me dire j'aurais pu faire mieux, mais c'est plutôt comprendre, de se comprendre soi-même. Ouais. Et de comment on interagit avec soi-même et avec l'autre.
le programme d'une vie. Ou de plusieurs. N'est-ce pas? Je te remercie infiniment. Merci, et j'aimerais que nous, on clôture avec ton portrait barré. Mon portrait barré? Ouais. Tu vas m'aider un peu. Si j'étais, je serais. Tu vois le principe? Voilà, ouais, okay. Je vois. Donc, si tu étais un endroit sur Terre, tu serais lequel? Sur Terre? C'est difficile. J'aime bien voyager dans les étoiles. Bon, ça peut être dans mer aussi, si tu veux. Je serais là, une plage de jonction entre une chaîne de montagnes et une grande étendue d'eau, mer, océan. Okay. Je serais ce brin de terre qui fait la jonction entre les deux. Ok, donc plutôt un truc un peu, pas forcément montagneux, plutôt un truc genre une plaine, donc plutôt plat, avec un peu de verdure et de végétation, ou plutôt pas, sec. Ça peut être très sec, très aride, okay. Mais c'est la jonction entre l'élément de l'eau et... Et de la montagne qui s'amène vers l'air, quoi. Enfin, voilà. Ok. J'aimerais être cet endroit-là. Et si t'étais un plat à manger, tu dois faire un choix, un plat à manger. Obligatoirement. Des gnocchis au pesto. Ouais, tiens. C'est pour mélanger ton côté italien et un peu écolo, le côté vert, ou bien c'est... ça peut être de ça. Ouais. Surtout un de mes plats préférés. Ok. Qui bon, ben voilà. Content. Mesdames, si jamais... Mesdames, il y a une dame ou pas? Parce que peut-être qu'il y en a qui se font des espoirs après. Hein, ça, si jamais ça, gnocchi ça, au pesto. Ça n'a rien à voir avec la musique. Voilà. Bah, gnocchi au pesto, hein, mesdames, j'ai envie de dire. Hein. Une compilation ou une mixtape de rap, si tu en étais une, laquelle serais-tu? Ça, c'est une bonne question. Je pense aux compilations Sound Bombing. Il y en a eu deux. Ça a été fait dans la fin des années 90 par le label Rocus. Je ne connais pas. Et ben, pour beaucoup, c'est vraiment une série de mixtapes qui sont des classiques avec vraiment tout l'underground rap new-yorkais de cette époque-là, de la fin des 90s. Je pense que Sound Bombing. Ok, ça marche. Et tu serais laquelle, si on avait plusieurs? Ou tu t'en fous? La 2, parce que c'est celle que j'ai le plus écoutée, où il y a d'excellents morceaux, notamment de Mos Def et Talib Kweli et de plein d'autres artistes. Le numéro 2, Sound Bombing 2. Et c'est vraiment des morceaux spécifiques pour cette compile, c'est pas des morceaux que tu vas retrouver ailleurs, du coup. C'est une compile que j'écoute, qui me rappelle tout de suite énormément de choses par rapport à une période donnée, qui a été vraiment la période où, avec Jonas et d'autres gens avec qui je rappais à cette époque, on a vraiment plus porté notre rap en disant maintenant on va le partager, on va un peu se décentrer de Genève, on va aller voir dans les autres cantons, on va aller rencontrer d'autres MC, on va aller se confronter, faire des concerts, voilà. Okay. Ça me rappelle cette énergie... qu'on appelle backpacker, t'as ton sac sur le dos, et tu fais quoi ce week-end? Ben, je vais dans telle ville, rencontrer tel MC, tel DJ pour poser sur le mixtape. Cette compilation-là, elle me rappelle cet état d'esprit hip-hop de ces années qui m'a pas quitté. Mais du reste, je me trompe si je dis que une fois, t'as même fait un espèce de battle, ou en tout cas que t'as partagé un délire avec Akhenaton. Ah voilà, on s'est rencontrés, ça remonte à il y a 20 ans, peut-être 17, 20 ans. Dans les couloirs, juste avant un concert d'IAM avec un pote, on a eu l'occasion d'échanger et des textes et de l'impro avec lui. Et c'était un moment mais vraiment qui était incroyable. Ouais. Quand j'y repense, je me pince, j'ai vraiment vécu ça. Parce qu'en fait, suite à ce moment, il faisait un concert d'IAM et il nous a appelés sur scène pour rapper avec eux. Quand il a prononcé mon nom, j'étais pas sûr de bien comprendre ce qui se passe. Ouais. Heureusement, très rapidement, je me suis ressaisi, j'ai couru sur scène et j'ai pu partager un moment de rap avec eux sur scène. Donc, ça a été, c'est ça que j'aime beaucoup dans tout ce parcours d'une trentaine d'années. C'est ce genre d'anecdotes, de rencontres, d'échanges que j'ai pu avoir avec d'autres artistes que j'ai écoutés pendant des années. Que ce soit Akhenaton ou d'autres, même des rappeurs américains, tout d'un coup, on se rencontre. Ouais, c'est fou quand même. Humainement. On partage le rap, mais à la rencontre humaine, on met un visage sur un nom, on échange. Si tu étais un véhicule terrestre, marin ou spatial, là, t'as le droit d'aller dans les étoiles, si tu veux. Je serais un train. Et un train en particulier, ou enfin, genre, t'as un délire de train spécial, ou... Un train. Un train. Ouais. Une couleur, un train. Non, pas de couleur particulière.
Ok, un train, voilà. Et si t'étais une boisson? Je dois répondre le café. Ouais, j'étais sûre, mais un café turc, un café classique, un... Là, tout de suite, j'aurais dit un thé vert matcha, quelque chose qui... Ok. Et le café et moi, c'est une drogue. C'est une grande histoire d'amour. Ouais, c'est une histoire d'amour, c'est une drogue. Un peu des deux, on aime la drogue. Je laisse la question ouverte. Chacun peut faire sa réponse. Et pour clore, alors, si tu n'en as le droit qu'à un, je suis désolée, si tu étais un mot dans l'univers, lequel serais-tu? Confiance. Ok. Merci, c'est un beau message hein, pour la fin, quoi. Donc, confiance. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine interview. Yeah. Et Rox, je te remercie vraiment un millier de fois parce que c'était une super belle interview. Le projet Visite Rimée partie 1. On y va, on écoute, on tchac-tchac, on paye. On... Ah oui, parce que du coup, c'est prix libre, j'ai oublié de dire ça. Prix libre, ça veut pas dire c'est gratuit, ça coûte rien, il vit d'eau fraîche. Non, prix libre, ça veut dire on est conscient, on est sympathique et en confiance. On donne quelque chose avec amour. À bientôt. Peace.